الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Quand nous étions ensemble, alhamdulillah, la dernière fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pédia nous de surah Kati ou surah Ibrahim, Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Est-ce qu'il te va faire une guette, te va réfléchir la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'exemple du phrase La ilaha illallah. Il y a une phrase qui se racine solide comme un pied. Sauvé sur une branche là-haut, l'étalée, comme on dit dans le ciel. Et pour rapport toi qui est dans sa croyance là, comme un pied qui donne fruit chaque fois. Veut dire dans chaque étape, chaque seconde de toute la vie, si tu es dans sa kalima là de te léguer, il vous profite toi. Pareil comme sa pied qui nous donne l'exemple là, qui dit pour rapport toi, frère n'importe qui lire, sa kalima, la ilaha illallah, li pour rapport toi ce fruit, en deux que li pour profite toi, n'importe quand de toute la vie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue. Wa kalimatan khabithatan ka shajaratin khabitha. Et ben, mauvaise parole, comment dire, ben, mauvais pied. Il se trouve bien fort, bien fort. Vous voyez, je venais de déraciner l'eau la terre. Puis, donc, elle profite avec Dieu. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Ça bout là qu'il y a avec moi, c'est-à-dire. يُثَبِّتُ اللَّهُ C'est Allah qui t'unifie. Qui ça n'a الَّذِينَ آمَنُوا بَنْكِنَا إِمَان Quand Allah t'unifie بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ Par une parole ferme. Parole ferme, c'est quoi ici? Bil qawli thabit. Regardez ayat avant. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Asluha thabit. Get ça des mots, la répétition. En deux mots, qawli thabit. Parole ferme ici, c'est kalima la ilaha illallah. C'est Allah qui tini un djimoun ferme pour lire ça. Pas dit mouna qui lia sa pori. Après avoir qu'il explique nous, qui va lire sa phrase là, et non, comparaison qui est non, des ayats après l'idée à nous, c'est lui Allah qui tini en dit moun ferme pour capable lire ça. Côte ça ou Allah. Fil hayati dunya ou fil akhira. Dans deux places. Dans dunya et dans akhira. Là, nous bien comprenons, nous bien connaissons, d'après sa ayat là, dunya c'est quoi, kot sa liyasa, et qu'akhirat c'est quand, et kot sa liyasa. Dans dunya, chers frères, basant le sa ayat là, c'est quand un djimoun rentre dans l'état du sacral. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut dire, man kana akhi kadam, man akhi. Kana akhiru kalamuhu shahadatu la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est lui qui se dernier parole au latir. La ilaha illallah. Il rentre dans la jannah. Mais seulement, chers frères,
Imaginez-nous pour un moment, ça dit que quelqu'un qui est malade et a l'appareil de sur la bouche là, c'est pas pour lui respirer, etc. Comment dit-on Dieu ça? Ou bien d'une autre façon, ban l'amour inattendu, un accident, un coup de glisser, il tape sur la tête, fini. Combien a comme ça? Mais coup de glisser, quand il y a la ilaha illallah, ça qui nous trouvait. Parce que d'après sa ayat là, et comment, alhamdoulilah, même avant, mon frère fin explique nous, une personne quand il rentre dans sa crade, qui arrive lui, sa nafs qui nous est là, sa roue là, lui monte, lui vient de sous la gauze, il bloque la gauze là, pèse sous la gauze. Vous avez causé? Mais si roue là, il vient de pèse sous la gauze, comment il voulait le shahada? Bisez un tiken qui a la capacité de là pour aider lui ou non? Bisez un tiken qui a fait ça? Pas du monde seulement! Parce qu'il n'y a aucun insan qui trouve ça bien là, en dedans. Il n'y a personne qui trouve ça. C'est pour ça, dans Surah 75, Surah Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, « Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq. » Certainement, quand ça roule là, il monte, il arrive là. Allah subhanahu wa ta'ala pose la question, « Qu'est-ce qui a fait ça redescend là ?» Personne. Personne n'a fait arrêter ça. Donc c'est Allah sur vouloir, ça dit mon appel mot. Sur l'eau, il monte, il bloque sur la gauche. Pèse à gauche, c'est dire. Causé. Pas qu'à causer là. Dans ce moment-là, tout dit mon dans la terre. Pour autre mot, vous êtes obligé de passer là-dedans. Tout dit mon obligé de passer par sa crainte. Pas existe un dit mon mot sur sa crainte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sur la tête de l'Olivier, sur madame, il dit La ilaha illallah, inna al-mort ala sakarat. Il dit La ilaha illallah, certainement l'amour est sakarat. Tout ça passe là-dedans. Il est capable d'un petit baba, il est capable de sa dernière grande moune là, comment il était obligé de passer dans sakarat. Puis la société est là. Comment il peut passer là-dedans, c'est une autre étape, mais nous tout ça passe dans sakarat. Donc, dans ce moment de sacrate là, le fait qu'il roule une vigne contre la gauche, qui s'en a qu'à causer là? Dans ce moment là, Allah subhanahu wa ta'ala choisir qui s'en a qu'il reste faire, qui s'en a qu'il laisse dire la ilaha illallah, il y a la roule à sortir. C'est Allah qui choisit ça. Ça qu'il dit à nous là, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Les poutines qui ont un iman ferme pour rester des shahada avant mort, l'eau la terre. C'est Allah qui fait ça, pas nous qui fait ça, frère. Donc pour nous rester faire les astir, si l'eau la terre, ça petit moment qui va dire nous tout seul, vous sentez. Chaque moment que ça vous souffle, est-ce qu'il vous attend comme vous arrivez dans sa crâne à la fois de moi pour bien ça? Moi-même, vous connaissez. Si je la bouche, je l'esprit trempé, il y a les autres qui choses. Il y a la gazette, il y a ça. Ok. Est-ce que ce n'est pas une injustice pour un dimoun qui. Grammatère de tout, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Libé moi aussi, libé descendre, la ilaha illallah. Libé des bouts de la queue pour payer ma ville, la ilaha illallah. Libé cuire la case en tant qu'une madame. Libé balayer sur la case. Libé repasse linge, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ça dit mon là comme mot. Avec moi qui habite tous les temps, sont tous en thérapie. Comme mot pour mot. Qu'est-ce que vous pouvez à l'appli juste pour aider pour essayer ça là? On comprend comment les vignes c'était. C'est pas la cause de qu'on est arabe, la cause de un arabe toi. Veut dire quand tu montes pour essayer de shahada, pas une comme ça ça. Les capables ne disent pas qu'on est arabe, mais seulement s'il ne reste pas qu'à dans ce dîme, arrive ce moment-là, Allah est libre de sa parole. C'est pour ça qu'il dit à nous,
laisse-nous la lame tromper avec ça. Veut dire risque. La ilaha. Tout bon azkar bon. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout bon. Tout cela là peut faire éloge Allah. Mais il y a un lit, il y a un petit plus pour aller. Récitez-le souvent, récitez-le souvent. Vous direz, mettez un objectif. Pas où vous pouvez 20-25 fois cette phrase-là. Comme on habite en 25, pas où vous pouvez 30-40. 40 est difficile pour nous dire là, il arrive là-bas, 40 fois pas où. C'est difficile. Combien de secondes prenons-nous? Si prenons-nous 3 secondes, multiplié par 40, il fait 120 secondes, il fait 2 minutes. Dans 24 heures, 2 minutes pour dire ça. Est-ce qu'il est difficile pour vous? Deuxième, wal akhira, wa fil akhira, et dans akhirat. De akhirat, mais dans akhirat, pas pour une ibadat. Pour une ibadat d'akhirat. Oui, quand tu rentres dans le jannat, tu dis alhamdulillah, c'est pas alhamdulillah en tant qu'éloge Allah pour gagner récompense, là, parce qu'il dit ça dans le jannat, c'est alhamdulillah en guise de remerciement de ce qu'Allah promet lui. Pas alhamdulillah pour les récompenses. Mais écoute, la ilaha illallah. Dans l'akhira, parole fermée qui Allah tini en djimoun, c'est qu'on pose ces trois questions-là pour les capables de répondre. C'est Allah qui tini les fermes pour faire ça. C'est Allah. Veut dire, c'est un djimoun sur la terre, sur la vie. Basé sur ce qu'Allah et son prophète ont dit. Allah n'a pas trouvé, pas connaître ce qu'il veut faire. Donc, on pose ces trois questions-là. Allah, ce moment-là, on a dit pour faire. Il aide pour répondre ça. De là, nous comprenons des petites choses. Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, quand il a été un premier sur mon compagnon, Odro li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Ou bien dans l'autre hadith il dit Odro lahu bis-sabat. Fais du pour ce frère, certainement il peut questionner là. Dans l'autre hadith il dit Fais du pour ce frère qui a la tinifiem sali là. Tinifiem c'est pas au dire vin solide là. Tinifiem c'est qu'il y récite dans sa trois réponses qui bizarre là. Ça qui appelle la fermeté. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réussir comme ça. Dans ce moment-là, chers frères, ce n'est pas nous qui répondons ça là. C'est basé sur notre action pour nous vivre la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous répond ça. Deuxième petite chose qui nous apprend, par l'ignorance, pas les dîmes en bête nous. Vous connaissez l'état où un imam vini, il vient avec dîmes mola, il dit à lui, pour poser sa question, tu réponds ça, pour poser sa question, tu réponds ça. Vous ne connaissez pas qu'avec vous gardez venir dire où ça. Pas qu'avec qui qu'un imbois venir. Pour un imam même ça, vous voulez que ce badjou, ce labob, ce bonnet tout. Un comme ça même qui vous venez là. 60 ans, 40 ans, il vit seul avec moi. À ce là quand il meurt, il peut écouter toi. 40 ans, il écoute football. Il ne pas comprendre. Quand il meurt, tu as dit ne te répondre à trois questions. Bien comprends. Si tu bouges sur la tête, tu réponds, toi, tu es le premier de sauver. Jusqu'à ce jour, quand il a dit, quand il finit enterré, ou trouve un avenir pour poser sa question, tu réponds ça. Puis on bête nous, frère. Nous aidons des gens pour qu'on reste dans la désobéissance à Allah. Je veux dire, vivre dans la désobéissance, quand tu vois mon être dans un hit qui vous a répondu. Correct, toi, vive, toi. Mais qui t'es là? Qui différence est entre nous chrétiens, c'est-à-dire? Vive-toi, Jésus, n'a la croix pour toi. Vive-toi, pour quand au moment venu, mon Dieu, toi qui nous a répondu. Quelle différence est entre nous, c'est-à-dire? Zéphon, le dunia, il va faire les là. Donc, deuxième place qui Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, chers frères, c'est qu'on gagne sa trois questions-là. Inch'Allah, lundi, nous continuons avec ça. Sa trois questions-là. Comment les venir et qui les fait? Qui ça? Qui s'affaire pour sallallahu alayhi wa sallam nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.